Au cœur de l'aventure, on part sans regarder en arrière. Sur les routes qui nous appellent, nous sommes les baroudeurs. Les esprits libres et sauvages, nous craignons rien de l'univers. Emmenons le monde avec nous, ne laissons personne derrière. Bonjour les baroudeurs, nous vous emmenons voyager avec nous, les paysages à découvrir. Coucou les baroudeurs! Donc aujourd'hui, on va commencer par un petit peu de route et puis une autre étape. J'ai pas trop filmé ce jour-là et puis donc c'est une petite étape sur l'aire de Narbonne Plage. Elle est collée au camping La Côte des Roses et après nous partons en direction de la Grasse. Les vignes commencent à prendre leur couleur d'automne. Elles deviennent rouges. Non, c'est pas une abbaye, c'est un propriétaire terrien, un vignoble. Château Auris. Château Auris, ouais. Il y a plein de vignobles. Ouais. Il y a beaucoup de choses. Du Corbière par ici. Corbière, c'est la route de la Narbonnaise ici. Là, c'est l'abbaye de Fontfroide, par ici. Ah ouais, c'est vraiment joli. Bah même pour le visiter, je sais pas où tu te gares, mais les vins de Fontfroide. Je vais goûter. Mais il y en a plein que t'as pas goûté, heureusement. Parce que des vignobles, il y en a un certain nombre en France. Bon, il y a encore du vent, mais un peu moins. Ceci dit, il faut rester avec une capucine, c'est toujours un peu plus compliqué qu'avec un profilé. C'est magnifique cette route, mais il faut vraiment faire attention à la capucine parce que les arbres comme ça ils ont des nœuds et des fois ils sont orientés vers la route et les capucines elles sont pas fans. Joli là-haut hein. Et il y a une antenne donc à mon avis il doit y avoir du modernisme dedans. Il y a plein de petits stops dans le village. C'est un village qui est dans son jus. Il est dans son jus. Un vieux village du sud. Petit café. Chez Jus, bar restaurant, c'est mignon. Ouais, c'est super joli. Hein. Donc là, on va visiter l'abbaye, la cité médiévale de la Grasse. Bienvenue à la Grasse.
entrer dans la grâce d'un village divin. Au cœur des courbières, la nature en prière. Chapelle et lumière et un autre terre. Chantons la beauté de ce lieu sacré, joie et sanctité ici pour demeurer. Rivière et ruelle, secret à découvrir. L'amour éternel nous invite à sourire. Clocher ou perché, raison de s'élever. Histoire racontée sous les cieux étoilés. Dans l'ombre des arcs où la foi me faiblit, trouver le repère de l'âme en harmonie. Chapelle et lumière, paix en notre terre. Chantons la beauté de ce lieu sacré, joie et sanctité ici pour demeurer. Bon, à un moment donné, il va falloir me laisser passer les gars, parce que là, ça va plus le faire. Moi, je passe. On va pas coucher là. Je serais curieuse de savoir où c'est qu'ils les mettent les autocars, moi. J'aime bien savoir où sont les parkings autocars. Interdit, sauf riverain, sauf machin, camping-car. Donc les camping-cars, hein, c'est par ici. Ouais. À gauche, ok. Bon, c'est sympa, on est juste à côté de la ville. Hop. C'est un eurodateur, donc ça c'est bien aussi. Ouais, c'est mignon comme tout. Bon, c'est pour visiter le village, hein. C'est pas pour passer 8 jours de vacances non plus. Alors, j'ai trouvé ma place, à peu près. Coucou. Bonjour tout le monde. Donc là, on est sur le parking de La Grasse. On vient d'arriver, donc il est midi et quart. Donc voilà. On va aller visiter. Ah, donc, sous les oliviers. Voilà, donc c'est 9 euros si on va visiter toute l'après-midi ou à l'heure. Et sinon, c'est 9 euros, ouais, c'est 0,70 et quelques de l'heure. Et sinon, pour la nuit, c'est 24 heures, 9 euros. Donc on reste là. On voulait rechercher un France Passion cet après-midi, qui était juste à côté, mais bon, on est là. Voilà. Ouais, c'est calme. Voilà. Pour aller visiter le village, faire notre film, et puis se reposer. Et puis se reposer, manger, ce sera très très bien. Donc ce matin, on est allé aussi sur Gruissant, parce qu'on a forcément sur un an de voyage, on a les chiens qui ont besoin d'un vaccin. Un avant fin septembre et l'autre avant décembre. Donc on va tout faire les deux en même temps. Comme ça, on sera à jour de tout et il n'y aura pas de soucis jusqu'à la fin du voyage. Le parking camping-car se trouve entre la mairie et la gendarmerie. Donc on devrait être calme. Je suis en train de voir là-haut, il y a une espèce de petite grotte là, carrément dans la garrigue, avec une espèce de petite sculpture. Essayez de vous montrer ça. Je ne sais pas si vous allez voir au-dessus du toit de la mairie. C'est joli comme tout.
Ça va mettre du rouge dans la vidéo. Sens de la visite. Ça fait partie de la tournée d'un des plus beaux villages de France hein, aussi. Donc là, sens de la visite. Ça devait être par là, peut-être. Ouais, c'est par là. Une petite flèche sur la maison. Avec des petites rues. Bon, ça passe pas en camping-car. Hein. C'est des plaques. Oh, c'est joli ça. Regardez. Ça aussi c'est joli. Bienvenue. C'est joli. On arrive à une petite place. Oh, boucherie, charcuterie, c'est pas tout jeune ça. Vieux commerce, bon c'est fermé. La supérette aussi. Peut-être pas tant fermé parce qu'il y a quelques oignons et puis ouais, dans les citrons ils sont pourris. Enfin ils sont pourris, ils sont desséchés. Hein. On a vu là, il y a une boutique qui fait des choses à mettre sur les portes. Et comme je suis fan de portes, celui-là je trouve vachement joli. Le centre, petite place de village. C'est dommage qu'on ait le camion de travaux. Mais tout à l'heure, on avait les bruits, donc c'était encore pire. Ah, c'est reparti. Les boutiques de devanture d'antan. Moi je suis super fan, vraiment super fan. Vous avez vu le haut des poutres? Il y a des bruits de travaux, je vais vous mettre de la musique. Encore une porte. Thank you.
Ce magnifique balcon en fer forgé. Probablement la porte de la ville. Ici. Donc, visiblement, c'est en travaux, il y a une grue. Le bruit de l'eau, ouais. Oh. Joël, il se moque de moi parce que j'adore les bruits de l'eau. Il y a plein de truites là. On les voit ici, il y a plein de truites. Vraiment joli. Ouais. Passage secret par là. Voilà, donc là on va visiter l'abbaye et là je suis presque en panne de batterie. Voilà, donc là c'est l'entrée. Donc, c'est l'abbaye Sainte-Marie d'Orbrieux à La Grasse. Donc là on visite la partie publique. Il y a une autre billetterie à côté où il y aura la partie privée. Mais c'est tenu par des moines chanoines. Et ça ouvre d'ici une petite demi. Voilà, donc là on va visiter toute cette partie-là. En fait, ça a été divisé en deux. Et cette partie-là maintenant est privée. Voilà. Une autre billetterie. Il y a le premier étage où cette partie-là on peut visiter, l'autre ce sera l'autre billetterie. Là, c'est une partie qui était comme là en haut, vous voyez, où c'est peint, complètement peint. Chapelle basse. Ils ont fait des efforts sur les sorties de secours et ils ont maquillé un peu les panneaux d'origine.
Wow, joli. Ouais, ouais, ouais. Magnifique. Franchement, c'est magnifique. Donc là, on va rentrer dans la sacristie. Ça a été refait cette partie-là. C'est en travaux. Donc c'est en travaux. Ils ont reconstruit toute la partie de mur qui est là. Et là, il y a des poutrelles de soutènement. Ils ont mis des surmarches. De toute façon, on ne va pas endommager les marches d'origine. C'était le dortoir. Ça a été restauré. Enfin, c'est en cours de restauration. On voit les anciennes peintures. C'est vraiment joli. Il y a beaucoup qui ont été l'enduit a été refait, mais c'est vraiment joli. Regardez le parterre. Ce sont des éléments qui ont été retrouvés. Alors ça, c'est en marbre blanc. Ça provient de l'archivolte du portail démantelé de l'église abbatiale. C'est du 12e siècle. Les portes de nos maisons. Les portes de nos maisons si différentes, gardiennes des secrets, des vies, des instants. Chacune raconte une histoire, une attente, un monde caché derrière un battant.
Certaines sont ornées de fer forgé, d'autres de bois, simples et robustes. Elles s'ouvrent sur des rêves partagés ou se ferment sur des peines injustes. Les portes colorées des rues animées, les portes discrètes des ruelles tranquilles, elles accueillent les rires, les âmes aimées ou protègent les cœurs fragiles. Chaque porte est un seuil, une frontière, entre le dehors et l'intime. Elles sont le témoin silencieux, sincère, des vies qui passent, des jours sublimes. Donc là, contrairement à l'autre partie où vous avez un tarif, ici vous faites une participation bénévole de ce que vous voulez. C'est pour la restauration en fait de l'abbatiale, de la partie des moines. Ça, c'est une peinture qui imite une porte. Je trouve ça vraiment joli. C'est joliment fait. Regardez ça, le bois, comment ça a été peint. Et avec, pour les endroits de pointage, des clous. Avec cette petite touche. Je suis très sensible à ça. J'adore faire ça aussi. Donc, même chose, même principe. C'est une peinture. Ouais, c'est joli. Très très joli. Elles sont peintes. Je pense qu'elles sont peintes. Ouais, il y a des peintures dessus. Je sais pas trop. On dirait des... Ouais, c'est...
sais pas trop en fait. Oui, une petite chose orange. Donc les moines vivent toujours ici. Il y aura d'ailleurs une messe ce soir à 18h30 avec des chants grégoriens. Voilà, donc ça, il y a toujours des chambres. C'est habité. Le sol est juste magnifique. Donc il restaure petit à petit avec les dons, hein, des visites. Ça, c'est vraiment magnifique. Somptueux. Pourquoi je vous avais coupé le son. Votre partie est en restauration. Et il y a les ouvriers qui... Ouais, ça m'a l'air très très instable, cette échelle. Là où mangent les moines le soir et le midi, le matin peut-être. Vous remarquerez les gobelets et les brocs à eau, les pichets. Alors ils ont leur nom sur les serviettes. Alors je vous assure, ce lieu de repas respire une paix, mais une paix. Ça donne envie s'asseoir et d'attendre. J'écoutais dire, ça donne envie de se faire moine. Non, mais c'est paisible, c'est doux, très doux. Encore un magnifique spécimen de porte. Alors celle-ci, elle est somptueuse. Donc ici, c'est la salle capitulaire.
ici, c'est une tombe. C'est la plus grande que j'ai jamais vue. Il y a deux personnes, un couple. Très très ancien cimetière de la Grasse. C'est vraiment un joli village. Jolis les lampadaires. Ils sont modernes, mais ils sont jolis. Enfin, modernes. L'arrière des maisons. Le sol est médiéval. Et là, on a des bancs pour s'asseoir. Comment tu trouves la Grasse? Très jolie. C'est magnifique. Très très, très calme. Joli, hein, regardez derrière. On imagine dans le temps les chevaux. Vous aviez une grande montée là ici. Bon, aujourd'hui c'est condamné. Hein. Et vous aviez une sacrée descente là. Hein. Il valait mieux le prendre dans l'autre sens à mon avis. Avec leur chargement de bêtes de batte. Quel merveilleux village. L'eau est vraiment claire. Alors, le camping-car est garé par ici. Parce qu'on avait cette vue-là. Ah non, plutôt par là, en fait. On avait vu sur... je pense, ça ressemble à un ancien moulin là-bas. Au vu du toit, je pense qu'il y avait une roue ici. Il y a une route qui descend là, mais elle est vraiment pas large ici. Que j'appelle les routes mange rétro. Vous avez vu comment sont mises les tuiles de pays en fait. Il y en a à l'envers et il y en a d'autres au-dessus. Et à mon avis, vu qu'il n'y a pas de... Comment ça s'appelle? Je demandais à Joël, vu qu'il n'y a pas de gouttière, à mon avis, c'est la route de la douche ici. Donc il y a quelques maisons qui sont vides en fait, hein. Le plancher s'est effondré comme celle-ci. Bon, celle-ci a été restaurée visiblement puisque vous avez une porte toute neuve. Alors je vous montre le nom de la rue là, rue des Cancans, rue des Tineries. Bon, là c'est l'abbaye, on vient d'y aller. On n'était pas passé par là, on est passé par le pont inondé. Là, on a un chef-d'œuvre. Donc là, ils lui ont mis des trucs pour la soutenir. Alors là, c'est un chef-d'œuvre. Sincèrement, magnifique. Magnifique. Cette porte, alors là... Trop, trop belle. Elle avait la fenêtre en fait, l'ouverture, c'est dans le vitrail, magnifique. Donc c'est un vitrailliste peintre, ça m'étonne pas que... Donc c'est un vitrailliste peintre, ça m'étonne pas que ce soit aussi joli. Elle a vu là où j'étais tout à l'heure. Joli hein, comme village.
Ça me fait beaucoup rire, enfin, parce que c'est une maison, il y a les volets ouverts, vous voyez, ils sont bloqués avec du bois. Il y a des jardinières, mais il n'y a rien parce qu'il n'y a pas de toit. La maison, il n'y a plus de toit. Donc là, on va voir l'église Saint-Michel et son orgue historique. J'étais dans la rue là tout à l'heure, j'ai pas osé passer. Alors ça, c'est très curieux, c'est la première fois que je vois. Il y en a deux à l'entrée de l'église. Les peintures sont toujours... Elle a toujours ses peintures d'origine, alors ça c'est rare. C'est rare en France. Les peintures sont en train de s'en aller là-haut. T'as vu, les peintures. L'humidité ici. Magnifique. Il y a tellement de rues que on ne sait plus. On en a fait beaucoup. Mais là, on va aller se prendre un petit rafraîchissement. Une moto garée en plein milieu de la rue. On est garé par là, c'est par là qu'on arrive. Il y a plein de petites échoppes pour se rafraîchir. La cocotte fait. Là, il y a une petite épicerie aussi.
Ils ont été mettre un vieux sidecar repeint là-haut de la guerre. Et là, on a une vinaigrerie. Créateur de vinaigre, ça je connaissais pas. Plein de vinaigre. Vinaigre au piment, des vinaigres un petit peu à tout. De vin, de pomme, de... Je trouve ça fou, il y a des balsamiques à la figue confite, à l'abricot, noix séchée, à la châtaigne, aux fèves de ton cœur, ça doit être sympa ça. Café arabica, c'est fou tout ce qu'il y a. Alors c'est un créateur de vinaigre, regardez les vinaigres, ils sont en train de chauffer au soleil, tout sur les hauteurs là-haut, ils sont au soleil, comme ça. Génial. Là, vous avez tous les vinaigres, ça sent bon. Qu'est-ce que ça sent bon? Bonjour, ça sent bon ici. Donc la dame m'expliquait, donc pas pour cela, mais celles qui sont là-haut, en fait, ils mettent des arômes. Alors des framboises, du basilic, du thym, enfin n'importe quoi, des figues séchées. Et comme c'est fermé plus scotché, il y a le vinaigre en dessous et avec la condensation, les arômes retombent. Et ça reste au soleil comme ça, très longtemps. Là, ils ont un an et demi. Et donc, c'est comme un joyau. Il y a quatre pièces métalliques qui tiennent la Marie-Jeanne. Et il y en a différents goûts. Donc là, elle vient de me faire sentir celui à la framboise, ici. Et un autre basilic qui est là-bas. Et ça sent vraiment super bon. Ça, c'est la fabrique de vinaigre. La vinaigre. Voilà, donc ça c'est la production du magasin que je viens de faire. Donc celui-là il est à framboise. Donc là il y a des vinaigres, figues, miel, whisky, alors j'aurais jamais cru au whisky, piment. Avec des ours ventre ? Oui, oui, oui. Donc ça c'est la dame qui nous fait sentir en fait. Regardez même dedans sur le film. Voilà, donc là on sent les... Vous n'avez pas les odeurs ? On n'a pas les narines. Ah oui, oui, non, mais c'est fou. Hein. Il y en a qui vieillissent aussi dans des fûts comme ça. Et ça, c'est les balsamiques. Ça, c'est le balsamique qu'on fait vieillir. En fait, plus ils vont vieillir et plus ils vont s'épaissir, en fait. Mais ça, c'est juste le temps, du coup, qui le fera. Et en fait, Cyril, il change tous les 2 ans de barrique. C'est pour ça, en fait, que là, on a juste les 5, 6 ans, 7, 8 ans et 9, 10 ans. Et on a les bases, en fait, en haut, sur la terrasse. C'est incroyable. Donc là, la dame m'a dit de monter là-haut pour aller voir les Marie-Jeanne et aller voir tout ça. Oh, il y a une odeur, mais je vous raconte pas qu'est-ce que ça sent bon. Donc là, c'est du vinaigre avec des raisins, je pense, à l'intérieur. Ah oui, là, il y en a d'autres. Ça, ce sont des fûts. Ça, c'est un bar à vin. Ouais, c'est incroyable. Ça, j'avais jamais vu. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que... Donc, ça, c'est un producteur. Hein. Et un petit flacon comme ça, c'est 40 euros. Imaginez. Donc là, c'est Cyril Godina. Créateur de vinaigre. Il y a du vin aussi. D'autres vinaigres. Moi, ça me donne l'impression qu'elles vont tomber. J'aurais pas. Ah non, c'est vraiment, vraiment très joli. Très, très, très joli. Ah, il y en a d'autres là-haut, au-dessus de la porte. Regardez. Incroyable, tous ces vinaigres. Ah ben, je pense qu'ils montrent, je ne sais pas, sur des choses élévateurs. Des balsamiques nature de 4 ans. Donc la dame nous disait qu'ils changent tous les 2 ans, en fait, de barrique. Donc on espère que cette visite de la grâce vous a bien plu, parce que nous, franchement,
C'est vraiment merveilleux. Oh, bête. Oui. Non, bête. La mouche. Ouais, il y a bête, ce qui nous embête. À faire, à faire. La boucle est bouclée, baroudeur 2 dans les oliviers. Il y en a, hein. Il y en a. Éternel.